tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto Harry Potter. On va faire les pages aujourd'hui 7 et 8. Et la page 7 commence comme ça. Alors on retire les deux charmes et on l'ouvre comme ceci. Et voilà ce que l'on obtient. Donc ici une grande surface pour mettre des photos. Ici un petit stand-up pour mettre une photo. Et ici une large surface aussi pour y mettre aussi des photos. On pourra bien sûr ajouter une photo ici également. Ensuite, à l'arrière, ici, on pourra ajouter une photo là. Et bien sûr, on peut passer derrière le petit chipboard. Ensuite, ça s'ouvre et on obtient une fenêtre comme ceci. Dans cette fenêtre, ici, on a un morceau qui est aimanté. Bien sûr, à la fin, on pourra mettre du papier décor dessus. Et ici, on pourra rajouter une petite photo, ainsi qu'ici et ici, si on le désire. Pour cette partie-là, vous verrez dans la vidéo, à un moment, on a une fenêtre et à un moment, on a deux fenêtres. Ne faites pas attention, je n'ai pas réussi à placer la deuxième fenêtre. Je pense que la largeur de ma page ne suffisait pas. Donc, le test n'était pas concluant. Je n'en ai mis donc qu'une seule. Mais pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal et que ça fait joli. Donc, voilà pour ce tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye! Alors, pour la page 7, je coupe un morceau dans le cardstock couleur or. Ensuite, je vais le couper à 15,8 par 27,5. Sur les 27,5, je fais un pli à 1,5. Et les 1,5 qui dépassent, je vais venir centrer et coller ici en haut de ma page tunnel. Ensuite, je vais faire plusieurs choses. Je vais faire deux marques ici à 12 cm du haut de ma page. Ensuite, je vais venir les raccorder et je vais marquer un trait ici. Ensuite, je vais prendre ces deux chutes-là. Alors, normalement, sur la largeur, elles sont à la bonne taille, c'est-à-dire à peu près 17,8. Et au niveau de la hauteur, je vais faire en sorte que ça fasse 12 cm. Donc, j'en place une ici et une ici et je viens les coller comme ça. Ensuite, arrivé au milieu de ma page tunnel, je vais faire une marque ici à 9 cm par-dessus et bien sûr je la fais au stylo effaçable. Ensuite, je vais prendre du cardstock bordeaux et là je vais couper un morceau de 21 par 11 et sur les 21, je fais un pli à 1 cm et je vais marquer ici le milieu à 5,5. Et je vais venir prendre mon pli, le plier dans ce sens et le coller comme ceci. Ensuite, je prends un dernier morceau de cardstock. Moi, je prends du doré. Et là, je coupe un morceau de 15,8 de large par 25 de haut. Sur les 25 de haut, je fais un pli à 7, 5,5, 5,5 et 7. Et au niveau du pli que j'ai fait ici à 5,5, sur un seul côté, je fais une marque à 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en haut. Et je viens marquer mes plis. Je le fais en bas et en haut. Et cette partie-là, on va venir la mettre en bas. Au niveau du pli du milieu, ici, donc mon deuxième pli, je fais une marque à 1,5 à gauche, à 1,5 à droite. Et ici, je vais venir couper un petit morceau. Alors, je coupe à 1 mm au-dessus de ma marque et 1 mm en dessous pour avoir ici une petite ouverture. Ensuite, je mets de la colle ici en bas, là où il y a mes plis, ici comme ceci en triangle. Je passe le papier bordeaux à l'intérieur ici de ma fente. Une fois que j'ai passé le papier bordeaux dans ma fente, je viens coller le papier ici sur ma ligne des 12 cm comme ceci, en le centrant bien entendu. Donc je me fais une marque à 7,9, une marque à 9 ici, je viens centrer. Et je viens coller comme ceci la partie du bas. Ensuite, je viens replier comme ceci. Je mets de la colle sur toute cette partie-là. Et une fois que j'ai mis la colle ici, je viens refermer ici mon pop-up en faisant attention à ce que ce soit bien aligné mon papier ici à gauche et à droite et ce qu'il ne dépasse pas. Une fois que je vais l'ouvrir, voici donc ce que ça va donner. Une carte qui va se soulever comme ceci. Au niveau ici de mes triangles, je vais prendre mes petites enveloppes et ici j'en ai déjà fait une toute seule et la deuxième je vais la faire avec vous. Alors je vais vous expliquer comment on va faire puisque celle-là je l'avais déjà préparée donc je la colle et la deuxième on va la faire ensemble.
Alors, faites attention à ne pas mettre de la colle sur le papier doré, puisque sinon ça va baver un peu et ça va pas faire joli. Donc en gros, ne faites pas comme moi. Alors, une fois qu'on a détouré les enveloppes dans le bloc 15x30, on va en prendre une et on va la poser dans le sens qu'on veut. Alors moi, je la pose comme ceci à la verticale un petit peu. Et je vais mettre de la colle ici sur mon triangle du bas. C'est important, ne colle pas sur le triangle du haut, mais que sur celui du bas. Ensuite, je referme. Et j'ai une enveloppe déjà qui est posée. Ensuite, je vais prendre une autre enveloppe. Et je la pose en fermant un petit peu ici mon pli et en faisant en sorte que ça ne dépasse pas ici de mon pop-up. Et une fois que j'ai fait ça, je peux mettre de la colle à l'endroit qui va être recollé sur l'enveloppe du dessus et je peux poser. En fait, ça fait à peu près comme dans Alice, comme on avait fait avec les cartes à jouer. Et je peux enfin poser ma dernière enveloppe et je fais pareil. Alors moi, je vais essayer de la poser un petit peu en haut. Donc, je mets de la colle en bas ici. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais venir la coller ici sur le haut, tout en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas de mon pop-up. Alors, on a les enveloppes à gauche et on a les enveloppes à droite. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir décorer le papier ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est du papier doré. Donc, pour moi, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de le décorer. Ensuite, ici à l'extérieur, je vais couper un morceau ici de papier décor dans celui-là qui va faire... Alors, sur la largeur, je ne l'ajuste pas. Il est à la bonne largeur. Et sur la hauteur, je le coupe à 25,7 et je vais venir le coller comme ceci. Ensuite, pour l'intérieur, je prends dans ce papier-là, donc la largeur, je ne la retaille pas, et sur la hauteur, je coupe un morceau à 20,7, et je peux venir le coller ici à l'intérieur. Ensuite, on pourra coller des photos dessus si on le désire. Ensuite, dans ces deux chutes, je coupe deux morceaux de 4 cm par 13,5, et dans cette chute, un morceau de 9,7 par 13,5. Ce morceau-là, je vais venir le coller au milieu. Et ces deux morceaux-là, je vais venir les coller ici, après avoir bien sûr rajouté à gauche et à droite les ouvertures en flippette pour ma page. Donc je vais d'abord coller celle du milieu et après on s'occupera de celle de gauche et de droite. Alors je pose mes papiers, je prends mes flippettes, j'en mets une à gauche, j'en mets une à droite, à peu près à 5,5 cm du bord du bas. Je fais mes marques, je perce et j'attache. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc je peux refermer mon rabat et mes flippettes. Et notre page est terminée. On va pouvoir passer à celle de derrière. Ensuite, pour la page 8, je prends un morceau de cardstock qui mesure 26 cm de haut par 19,5 de large. Et sur les 19,5, je viens faire un pli à 1,5. Ce pli, je vais venir le coller ici à la gauche. Ensuite, je vais prendre un morceau de 26 par 20. Au niveau des 26, je fais un pli à 2, puis 10, puis 2, puis 10, puis 2. Ensuite, en bas, à 1,5 cm du bord bas et du bord droit, je me fais deux traits. Et ensuite, je vais faire un carré de 7 cm. Donc, je trace un trait de 7, un trait de 7 perpendiculaire, et je viens fermer mon carré et je vais venir le couper. Ensuite, je viens couper un morceau d'acétate de 8 cm par 8 cm. Je mets du scotch double face et je viens le coller par-dessus. Ensuite, moi, je mets du scotch double face ici sur la partie des 2 cm, mais vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. Ensuite, je plie ce côté-là. Je viens rabattre et je viens coller comme ceci. Une fois que j'ai collé ici mon rabat de 2 cm, je viens plier comme ceci. Et à 10 cm, donc au milieu, je viens couper sur la bande des 2 cm. Ensuite, je plie dans l'autre sens, donc comme ceci. Je fais la même chose en bas. Et ensuite, on coupera sur la partie de derrière. Ensuite, je vais couper 4 morceaux dans le papier doré de 9,7 par 9,7. Et dans cette chute qu'il me reste, 2 morceaux de 9,7 par 9,7. Sur ces deux chutes, je vais venir placer un aimant ici au milieu. Ensuite, je viens placer un papier doré par-dessus
et je replace un aimant par-dessus. Le papier doré mesure 9,7 par 9,7. Ensuite, cette chute-là, vous allez voir, au niveau de la largeur, elle ne mesure pas tout à fait 9,7, mais ça, c'est pas très grave. Il suffit que l'aimant soit bien placé. Ensuite, on prend un morceau de scotch et puis on s'assure que notre aimant tient bien en en mettant un bout dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est mettre de la colle à l'arrière et venir la placer à l'intérieur de notre fenêtre et le coller comme ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est prendre les deux autres morceaux de 9,7 par 9,7 et on va venir les coller ici. Et dans la foulée, j'ai coupé 4 morceaux de 1,4 cm par 9,9 cm. Donc moi, je vais les coller bien sûr ici, là et là. Mais avant de faire ça, je vais les mettre bord à bord et je vais couper ici dans la diagonale. Et une fois que j'aurai fait ça sur tous mes côtés, je vais venir le coller comme ceci. Si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez également couper un morceau dans du papier décor si vous le voulez, un morceau de 10 cm par 10 cm et au centre, vous faites un carré de 7 par 7, donc à 1,5 cm de chaque bord et vous retirez l'excédent du milieu et vous collez bien sûr votre carré ici. Vous faites la méthode que vous avez envie. Ensuite, je prends ce papier-là et c'est une grande page 30,5 par 30,5. Je la coupe à 17,7 et je vais me couper à la moitié, donc soit à 15,2 de haut. Donc j'en mets un à droite, un à gauche, mais je ne les colle pas tout de suite. Ensuite, dans le papier or, je coupe deux morceaux de 17,7 par 10,3 et je vais venir les rajouter ici en bas. Je vais venir coller sur la moitié gauche et ici sur la moitié droite parce que je vais d'abord coller ça avant de mettre mes aimants. Donc ici, toute cette partie-là, je vais la laisser libre, mais je vais coller cette partie-là pour pouvoir ici coller mes petites fenêtres, mes petits cadres. Dans des chutes, je coupe de nouveau deux morceaux de 1,7 par 9,7 et je viens les coller au-dessus de la fenêtre qui est coupée à l'arrière. Ensuite, je prends ma fenêtre qui est ouverte à l'arrière et je l'applique comme ceci. Donc les deux morceaux de 2 cm vers moi. Je l'applique comme ceci. Et à l'arrière, en bas sur les 2 cm, je viens mettre du scotch double face ou de la colle. Ensuite, je vais venir remplacer une partie ici. Donc je ne dépasse pas au niveau d'ici, au niveau du haut. Et ma pointe ici doit être pile au niveau de mon pli au milieu. Je retire la protection de mon scotch double face. Et une fois que je suis bien placée, comme ceci, hop, je viens fermer. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je referme l'autre côté, je retire de nouveau la protection de mon scotch double face, ou si vous préférez mettre de la colle, c'est le moment de mettre de la colle, et ensuite je le referme dans l'autre sens. Et voilà comment va s'ouvrir ma fenêtre. Bon, j'avais prévu pour cette page deux fenêtres, mais écoutez, les aléas font que j'en mettrai qu'une, puisque la deuxième je ne peux pas la poser, j'ai eu trop de galères à ce niveau-là. Je pense que ma page n'est pas assez large et du coup la deuxième ne passe pas. Donc on n'en mettra qu'une pour cette fois, c'est pas bien grave. Et je vais placer mes aimants. Donc là je vais prendre des aimants en 12 par un N42 parce qu'ils sont assez forts. Je ferme mon album, je vois que je vais pouvoir les positionner ici. Donc j'en positionne un ici, je vais fermer, je vais rabattre, je positionne le deuxième ici. Je mets du scotch pour faire adhérer le tout et en fait, après je colle tout simplement mon papier décor. Je reprends cette chute que j'ajuste à 25,7 cm de haut. Et dans ce papier-là, ici dans le train, je coupe un morceau de 25,7 par 5 cm et je viens les coller côte à côte comme ceci. Et pour terminer, à la jonction des deux papiers, je colle un morceau de papier doré qui mesure 1 cm par 25,7 cm de haut. Ensuite, je rajoute cette petite déco en ne mettant de la colle que de ce côté-là. Ici, je laisse ça libre pour pouvoir mettre quelque chose si je le désire derrière. Donc si je veux coller une photo ici et une photo ici. Et comme ça, ça fera assez joli, je pense. Donc voilà pour cette page. Maintenant, on va faire le petit carnet qui va aller dedans. Pour le carnet, comme depuis le début, je prends une page en 21-29-7 en doré que je plie en deux. Je vais prendre cette chute et je la retaille pas dans la largeur, mais dans la hauteur, je coupe à 20,7 et je viens la coller ici. Et ensuite, je vais faire un trou à 1,5-2 cm du bord ici pour placer
de nouveau ma chaînette où il y aura d'un côté une attache parisienne et de l'autre côté le dernier blason qu'il me reste. Une fois que j'ai placé ma petite attache parisienne, je viens dans mes chutes et je viens trouver cette chute là qui est un tout petit peu plus large, donc je la retaille au niveau de la largeur. Je l'ajuste donc à 14,6 et je viens juste la coller comme ceci tout simplement. Et ensuite je vais pouvoir rajouter mon carnet à l'intérieur de ma page. Donc dans ce sens là je prends ma page et enfin on va pouvoir mettre les pages 7 et 8 dans notre album qu'on va coller tout simplement comme on fait depuis le début. Voilà, sur ce j'espère que ma page vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.